Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien alors qu'on retrouve Sunset Overdrive. Alors je vois qu'il y a la mission là, mais il y a un marchand d'armes normalement dans le coin. J'ai construit un nouveau flingue, une vraie œuvre d'art. Ah bah il nous suit, Bob Dealer en fait. Vas-y, dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire. Respecte-moi. Combien on a? On a 22 000, c'est ce que j'avais dit. Non, je pensais que j'avais 27 000. Qui est-ce qu'on va se prendre? Moi je serais pour en acheter deux peut-être. Histoire d'avoir des armes en plus. Qu'est-ce qui serait bien? La chandelle. Oh, le feu d'artifice, ça a l'air cool ça, mais ça coûte cher. Peut-être pas tout claquer dans une seule arme pour l'instant. Je pense qu'on va prendre le frigo-bombe. Ça Pour fait l'instant. vraiment mal de la voir partir à ce prix. Et le crash assez. Ah, il y avait la calage défonce. Ah, dommage, on aurait pu se prendre une arme automatique. Ouais, de toute façon, on a le temps encore de voir. Hein. Ça, c'est si on veut Et les tâche de pas mourir. cartes J'ai pour pas trouver. beaucoup d'autres Y clients, a pas une moi. Deux vendeuse? secondes, Mario. Ah, bah si, il y a Flingue. Calista. Attends, non, vendeur. Je voulais m'acheter un bas. Et le sous-vêtement, qu'est-ce qu'on a? Le Marcel Court, mais c'est quoi ça? Moi, je suis pour m'acheter le bikini NC4, mais. Le truc qui ressemble tellement plus à une culotte classique. Un peu stylé, attention, hein, mais. Pas forcément un truc. Je veux un bas, moi. Qu'est-ce qu'on nous propose? Je sais plus ce que j'avais vu. Le jean est plutôt cool. Je veux un truc qui aille un peu plus avec la chemise hawaïenne. Oh là là, c'est stylé ça, mais. C'est quoi ça? Short de punk. Short de sport avec jambière. Non mais les jambières, elles font 10 fois le tour de mes jambes. C'est quoi ça? On est où? Ah, c'est des bas. En vrai, on se balade en culotte. Ça, c'est sympa, mais c'est pas ouf. Le Bermuda. Oh non, mais ça m'avait fait rire. Ça me fait trop marrer. Les jambières, non. Ah, ça, c'est cool en vrai. J'aime bien la couleur. Ça fait un peu Vans, mais en mode losange. La jupe pom-pom girl, fourrure jusqu'au genou, je trouve pas ça beau. Ah, legging, le problème c'est qu'on a déjà. Attendez. Les étoiles colorées. Ah, je crois qu'on a fait le tour, malheureusement, c'est pas ouf. Mais c'est quoi ça, le pantalon de chasse? Ouah, le pantalon samouraï. Le pantalon en cuir, c'est stylé en vrai. Le short cargo, c'est stylé aussi. Ah, mais ça change que le short. On peut pas voir tout mon perso. Moi, j'aurais voulu voir dans l'ensemble en vrai. Ouais, c'est compliqué. Hein. Il manque le petit truc pour finir. Pas me promener en culotte quand même, je vais pas vous faire ce plaisir. Ah, ça coûte 20 000 ça. Ah, mais c'est avec ça on paye avec l'argent, d'accord. L'argent pour les sapes et les canettes pour les guns, ok. Ah, c'est bon à savoir ça. Ça, je trouve pas ça fou. Limite, c'est moche même. Par contre, je crois que je me suis trompé, faut que je fasse gaffe au cas où si je prends rien. Mais il n'y a pas de nouvelle sape. Après le jean, ouais, vite fait quoi. Ça, je peux pas acheter un pantalon fisco. Vous êtes d'accord avec moi? À la limite, je préfère encore prendre ça. Histoire de délirer, mais. Non, pour l'instant, j'avoue, je trouve pas ça ouf. Attendez. Est-ce qu'il y a d'une. Ah, il y a à nouveau, il y a le Marcel. Le t-shirt déchiré. Il est classe le t-shirt. J'aime bien l'effet. Attendez, veste. Ah, le problème, c'est que je vois pas tout mon perso, ça a le don de m'énerver un peu. Wow, je peux mettre des tatouages. Ah, en vrai, c'est tellement moi. Pardon.
Ah, j'ai envie de m'acheter ça en vrai. Oh, ça aussi c'est stylé. À la guimauve. Ah, mais quand tu prends ça, ça change ta tête. Je trouve pas ça cool. Mode ninja, c'est rigolo. Moi, c'est classe ça. Croyez que si je suis comme ça, les robots ils me détectent pas? Allez. Bon, pour l'instant, je trouve pas ma cam. Mais on a deux nouveaux flingues et ça, c'est bien. Occupe-toi de cette tour radio. Les Louveteaux s'impatientent sérieusement. Mes Louveteaux essaient de localiser Brylcreem sur leur radio. Mais tout ce qu'ils entendent, c'est ça. Les médecins recommandent de boire 17 canettes d'overcharge par jour et. La station radio se situe là. Si tu détruis les trois émetteurs près de la tour, on pourra plus facilement localiser le général Brylcreem. Salut, Brylcreem. Alors, tu crois que tu en es capable? Oh, mais Carrément. sérieux. À tout de suite. Ah, j'aurais dû regarder niveau tête, les lunettes, les trucs comme ça, les accessoires. Bon, la tour radio, c'est où? Pourquoi j'entends des bruits de chat? C'est quoi ça? Erdash. Comme ça? Ah ouais, cool. Alors je réfléchis ouais, en même temps où il faut aller. C'est pour ça que j'ai des petits bugs, hein. C'est pas juste un hasard. C'est juste que comme je sais pas trop où je dois me rendre, pourquoi ça me dit là maintenant? Ah, parce qu'il y a trois trucs. Waouh, robot Jedi. Blakebot. Attends, attends, attends. Non, je veux tester le frigo bon. Pas mal. D'accord que c'est cool ça. Suivant. Ça, j'avais pas vu. Oh, oups. Ah ouais, ça pose. C'est quoi qu'on vise là? Sérieux? Je peux pas remonter là. Ok,
Alors j'essaie de le capter, ça a l'air assez au-dessus. Je regrette, monsieur l'émetteur. Rien de personnel. C'est où le cracheur de mes fesses, ça? Il y a bien gros. Merde. Oh, j'imagine que c'est la suite. Qu'est-ce que c'est que ça, encore un gros nounours? Oh oh. Je me fais attaquer par un zeppelin géant. Le marketing fiscal est de plus en plus agressif. Bon, comment on va le fumer? Pourquoi il y a Roger Rabbit là qui m'agresse?
Alors le seul problème c'est que j'arrive pas à voir comment on lui fait du dégât. On s'en sort, mais j'ai l'impression de pas avancer. Vite! Il en faut combien des trucs comme ça, ouais. Oh, je me suis fait fumer. Putain de merde. Thank you.
farde. Il me fait rire, Fizzy. Le truc, c'est que je sais pas combien il faut en faire pour ça. Non mais il faut en faire combien des trucs comme ça? Ah mais comment je fais pour le dégommer? J'ai l'impression qu'il revient tout le temps. Ah mais j'ai repris aux yeux. Non, parce qu'il y a les roquettes. Ça sera même plus rien. Concentré parce que j'avoue que je suis jamais sûr de savoir quand ça active. Il s'arrête plus le mec. Dans ma gueule. Qu'est-ce qu'il raconte, le daron? Ah, moi j'ai envie de dire tant mieux pour elle, mais quoi ça mène? Plus rien. Aidez-moi. En train de me faire sauter le caisson encore. Ah, je vous jure, c'est incompréhensible. C'est moi qui veux te aider. Je sais pas, je me fais plusieurs franges d'orange là, mais...
Ouais, d'accord, je me suis raté. Toi qui vas pointer ta daronne. Pourtant ça ouvre ses yeux, mais faut encore je tire sur les yeux. Faut pas tirer sur la boule à facettes. Oh, quand même. Oh, punaise. Ah, j'ai cru qu'il allait pas me lâcher, lui. Ah, j'ai mis quasiment tout l'épisode pour lui. Ah, oh. Son œil caméra lâchait. L'étrange ballon. Au lieu de dire succès déverrouillé, j'ai lu suicide déverrouillé. Hey Norton, je t'ai réparé la radio. Quoi? Tu es en vie? Je vais pas me laisser faire par un zeppelin. Ce serait humiliant. Bon, toute ma troupe te remercie pour ton action. Au revoir. Attendez, vous me prévenez si vous trouvez Brylcrim, hein? Oh oui, Brylcrim, bien sûr. On va continuer à le chercher. Merci encore. C'est tout? Salut, c'est Sam. Ramène-toi à la base. Il y a une fille qui voudrait discuter avec toi. Et elle est mignonne. C'est quoi, c'est écrit sur ma gueule que je suis gay ou quoi? On n'a pas décidé. Bon. Faut que j'aille là-bas. Donc ici, il n'y a plus rien. Bon, on a débloqué les trucs rapides. Il y a juste une quête secondaire en gros. Minou minou, encore un truc de chat. Après pupus. Et donc là il faut aller là. Alors, vous savez quoi, on va stepper. Juste deux secondes. Ouais, on stepper et je vous propose on s'arrête ici. Hein, vu que finalement, comme j'ai dit, on a passé tout l'épisode pour ça. Quoique l'épisode d'avant aussi, on a pris une mission. Si l'émission dure presque une demi-heure, avec moi, la durée de vie, elle est garantie. Hein. Il suffit que tu me mettes, je sais pas moi, 30-40 missions, t'as déjà une bonne durée de vie juste pour l'histoire. D'accord ou pas? Ok, devant la base des geeks, Sasquatch and Friends. Les amis, je vous quitte ici, je crois que c'était le 8ème épisode, me semble-t-il, hein, j'ai un doute. J'ai franchement un doute, je ne sais plus à force, je vous avoue, je ne sais plus. Mais ce que je sais, c'est qu'on avance, et ça, c'est déjà pas mal. Je vous laisse ici, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme toujours. Je vous dis à la prochaine. Passez de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Profitez du beau temps. Ciao, ciao, les amis.